Bonjour, je m'appelle Marie Trélucane, je suis la présidente et fondatrice d'Unicité, qui est l'association qui a inspiré le lancement de ce qu'on appelle le service civique des jeunes en France. Nous gérons chaque année environ 10 000 jeunes qui donnent environ 8 mois de leur vie, 6 à 12 mois, à la solidarité, à la société. Et nous mobilisons les jeunes en particulier auprès des personnes âgées parce que le besoin est énorme. 900 000 personnes âgées souffrent de solitude. Donc avec le Covid et le premier confinement, nous avons dû nous adapter pour que les jeunes gardent active leur mission et notamment leur mission auprès des personnes âgées. Normalement, ils allaient à domicile, rendre visite ou ils allaient dans les établissements organiser des animations. Ça n'était plus possible. Donc ils ont passé des appels réguliers avec les personnes âgées. Puis ils ont aussi veillé à identifier les besoins spécifiques, notamment des personnes à domicile. En pleine crise sanitaire, autour de la fin de l'année 2020, nous avons décidé avec le groupe Malakoff Humanis, qui soutenait les projets intergénérationnels d'Unicité depuis plus de 10 ans, de lancer une grande mobilisation, le service civique Solidarité Senior, pour démultiplier le nombre de jeunes mobilisés dans le cadre du service civique auprès des seniors, notamment isolés, ce avec un gros soutien du ministère chargé de l'autonomie et évidemment du secrétariat d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Dès le déconfinement, les activités en présentiel ont pu progressivement reprendre. Et parmi ces activités, donc, les cours de piano, des activités musique, des blind tests, des triominos, des jeux de société. Pendant le confinement, on était isolés et c'est important qu'on ait des jeunes pour nous distraire. Ça donne de la joie, un peu plus de gaieté. Les jeunes sont venus et puis Louisa était là et puis on m'a demandé de jouer avec elle. Et puis elle m'a appris des trucs, moi j'ai appris des trucs. C'est pas la même chanson, non. C'était quoi? Elle est belle, elle est mignonne. J'ai pu rencontrer des personnes âgées qui, aujourd'hui, après ma mission, me manquent un peu. Et c'est vraiment des personnes qui m'ont touchée de par soit leur histoire, soit leur personnalité, soit le lien que j'avais avec elles. L'impact du service civique Solidarité Senior est énorme. Les jeunes sortent grandis et fiers de leur expérience. 96% des personnes âgées déclarent avoir un meilleur moral et même 80% être plus en forme. Et notre ambition, c'est de mobiliser 10 000 jeunes auprès de 300 000 personnes âgées.